homme entre la vie et la mort. Et c'est toi, Jésus ressuscité, qui es le vivant. Le Père t'a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tu agis ici parmi nous. Voici que tu vas nous bénir au confluent de la Meuse et de la Sambre, au confluent de notre histoire. Au moment de nous bénir, regarde cette ville de Namur, où Julienne de Cornillon trouva accueil durant quelques années. Regarde cette capitale de la Wallonie, le chef-lieu de cette province et de ce diocèse de Namur. Bénis tous ses habitants, tous les pèlerins ici présents, à commencer par les plus pauvres et les plus abandonnés. Réconforte ceux qui déjà croient en toi. Attire vers ton cœur avec l'aspect de ta tendresse ceux qui ne te connaissent pas ou t'ont oublié. Ô Jésus, toi qui guérissais parmi nous en faisant le bien. Amen. Italiano, voglio ringraziare di cuore tutti gli italiani di questa strada e anche gli altri che hanno partecipato a questa processione e l'hanno per una parte organizzata. Ricordo con piacere le processioni alle quali partecipai quando ero studente a Roma. Sento ancora i canti che cantavamo insieme, Caloriano Ostia Divina, inni e canti scioriamo fedeli al divino eucaristico Re. Chiedo al Signore di benedire tutte le vostre persone, le vostre famiglie, la vostra patria e attraverso di voi anche tutti gli altri immigrati che vivono in questa città di Namur. Signore, benedici tutti i nostri fratelli italiani e tutti gli altri che da paesi talvolta lontani sono venuti a vivere qua. Souviens-toi de ta longue marche avec le Seigneur à travers le désert. Et ce soir, mes frères et mes sœurs, empruntant ces mots, je me permets de vous dire, souviens-toi. Souviens-toi de ce monde qui n'existe pas par lui-même. Ce n'est pas nous qui l'avons conçu, ce n'est pas nous qui l'avons inventé,
ce monde vient d'une autre intelligence, d'une autre volonté, d'un autre cœur que les nôtres. Même abîmé comme il est, depuis les origines par notre péché, ce monde vient de Dieu et nous avec lui. Souviens-toi en ce soir de ton Créateur, de qui tu viens et vers qui tu vas en ce monde. N'oublie pas, disait Moïse, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Nous sommes à 4 années du grand jubilé de l'an 2000, où nous allons, non pas dans la peur, mais dans la joie, fêter un siècle que Dieu, pour l'amour de l'homme, est un homme parmi les hommes. Et durant ces 4 années, le Seigneur, par mille intermédiaires, va nous redire, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Ce cri va devenir de plus en plus urgent. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. L'homme a un besoin vital d'une nourriture supérieure parce qu'il est une créature supérieure que Dieu a placée au sommet de sa création visible. L'homme a un besoin vital d'une nourriture nouvelle pour une vie nouvelle. Il a besoin d'une nourriture venue d'en haut, parce que lui, l'homme, tout en étant fils de cette terre, est en même temps enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui est notre nourriture. Et lui seul peut l'être, parce qu'il est à la fois notre frère tout proche et notre Dieu heureusement plus grand. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Jésus, c'est toi le pain vivant que ce soir nous accueillons, nous aimons, nous adorons. Toi qui portes le nom le plus beau et le plus doux jamais apparu sur cette terre, en toutes les langues, Yeshua, Jésus, 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 Jésus. Toi le seul, jamais homme n'a parlé comme tu as parlé. Jamais homme n'a revendiqué comme toi d'être l'égal de Dieu, si bien qu'en te voyant, c'est Dieu qu'on voit. Personne comme toi n'a prétendu être la lumière même de Dieu venue en ce monde. Personne n'a pu, dans la vérité et l'humilité,
demander autant de toi du cœur jusqu'à te préférer toi à tout ici-bas. Tu es le seul à pouvoir prétendre à cela dans la vérité. Et c'est toi que nous avons condamné pour cette raison. Nous t'avons condamné pour blasphème. Nous t'avons dit, comme c'est noté dans l'Évangile, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Et nous t'avons mis à mort comme un impie. Nous t'avons contraint à mourir loin de Dieu, dans la solitude. Nous t'avons donné tort en te crucifiant. Mais Dieu, ton Père, t'a donné raison en te ressuscitant et en te glorifiant et en faisant de toi le Seigneur, en te donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que toute créature au ciel, sur terre et aux enfers se prosterne devant toi. Jésus, toi notre Dieu et notre frère, toi qui nous prends par la main pour cette vie et pour l'éternité. Toi qui n'es pas derrière nous pour que nous devions faire mémoire simplement de toi en scrutant une histoire passée. Toi, Jésus, qui es avec nous aujourd'hui, présent, le même, hier, aujourd'hui et demain, avec nous aujourd'hui, tout spécialement dans ton Eucharistie. Mes frères et mes sœurs, dans toute la vie chrétienne, dans toute la vie de l'Église, et finalement dans toute l'histoire du monde, il s'agit de lui. Et là pour toi, donné dans l'Eucharistie,
avec son corps et son sang livré pour toi, alors, très certainement, par-delà la mort, tu es appelé à la vie en tout ton être, avec ton âme et avec ton corps. Sinon, c'est pour rien, c'est enfin que Jésus t'aura donné son corps et son sang ressuscité. Mais si notre foi diminue en Eucharistie, si nous la considérons seulement comme au sens propre du terme, un symbole, un souvenir qui nous rappelle quelque chose, alors, quand tu te trouveras à la dernière heure de ta vie, quand ton pauvre corps devra cesser de vivre, alors tu ne seras pas sauvé, sinon symboliquement aussi, et tu seras perdu pour toujours. Mais si dans l'Eucharistie, ton Dieu te donne son corps et son sang, donne livré pour toi, alors, à coup sûr, quoi qu'il arrive, au-delà des détails de cette vie, tu sais dès maintenant qu'au-delà du ravin de la mort, tu es fait pour la vie qui ne finira jamais. Il n'y a qu'une chose qui importe, c'est de vivre de Jésus. Celui qui me mange vivra pour moi. Et si nous vivons de lui, plus vraiment, dans toutes ces années qui nous attendent, nous vivrons aussi plus fraternellement les uns avec les autres. Car quand nous ouvrons notre cœur à Jésus, il s'ouvre aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Et c'est ce que saint Paul nous enseignait dans la seconde lecture. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car tous nous avons part au même pain. Et c'est pourquoi, selon le vœu de sainte Julienne de Cornillon, à qui nous devons tant, et spécialement la fête d'aujourd'hui, c'est pourquoi la fête de Dieu est aussi nécessairement la fête des hommes. Et en ce soir, où nous réjouissons le cœur de Dieu, il nous est donné aussi de nous réjouir fraternellement ensemble et de réjouir tous les frères et sœurs auxquels Jésus Eucharistie nous envoie. Vive Jésus!